Bois est une entreprise ancrée dans le paysage savoyard depuis 25 ans, née en 1996, 15 salariés. Et on a une grande importance sur les valeurs humaines auprès des salariés et puis par l'actionnariat, qui est un actionnariat d'épargne solidaire. Notre activité principale, c'est la caisserie, l'emballage bois pour l'industrie. Et on a aussi diversifié avec des présentoirs de magasins pour de l'outillage, pour de l'alimentaire. Et maintenant avec du mur ossature bois. Alors c'est justement de diversifier encore les présentoirs. On a acheté donc une machine à commande numérique qui nous permet maintenant de découper des plaques de contreplaqué. Et donc voilà, le but c'est qu'elle soit utilisée à 100%. Alors sur le premier arrêt, le premier confinement, ça a tapé dur puisque ça, toute l'industrie s'est quasiment arrêtée et on travaille beaucoup pour eux. Donc l'année voilà, a été impactée, on a perdu 6% de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les salariés sont toujours à 35 heures au lieu de 39 heures, mais on a retrouvé à peu près une activité normale. On s'en sort, on va dire, pas trop mal à ce jour. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et Arlysère nous ont aidés dès le départ, notamment pour trouver un terrain. C'est pour ça qu'on est revenu sur le secteur d'Albertville, là, à Tournon. Et puis, la région nous a aidés aussi à l'investissement, avec une aide financière. Et même en 2020, sur une aide pour des consultants, un consultant RH pour mieux redéfinir notre encadrement de proximité, et puis un consultant pour Série Bois qui nous a aidés sur l'atelier et sur l'informatique.